I get a black mafia. Half a million without the FBI. 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 FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. FBI. DEA and the FBI. FBI. Can't see. Fucking baby. Expect I say so. Yes, Massive Suspecté qui est FBB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Et vous savez déjà de quoi on va parler. On va parler du nouvel album de Booba. De base, j'allais même pas faire de chronique, mais j'ai reçu pas mal de DM et j'ai eu l'impression que beaucoup de gens attendaient ma chronique. Donc ça fait super plaisir. Donc gros big up à vous. Donc on est parti pour faire ça right now. De base, j'avais une autre vidéo sur le dancehall qui allait sortir, mais j'ai procrastiné. Donc je vais essayer de la tourner aujourd'hui aussi pour la sortir au moins la semaine prochaine. Avant de parler de cet album de Booba, on est obligé de parler de l'album précédent de Booba puisque ça devait être son dernier album. Il a changé d'avis, il sortait de toute façon pas mal de sons. Entre temps, il sortait même des clips. Donc on sentait qu'il avait un petit peu de difficulté à se dire bon, c'est fin de carrière niveau album. Il a dit qu'il sortirait que des singles, mais il en sortait tellement que c'était dur à croire. Moi, comme vous pouvez le voir sur ma chronique d'Ultra, Ultra, c'est pas un album que j'ai beaucoup kiffé. Booba, c'est un album, un artiste que j'écoute depuis bientôt 20 ans. Pour moi, c'est le meilleur rappeur français de l'histoire, que ce soit niveau carrière, que ce soit niveau globalement, surtout au niveau texte, etc. Texte, choix de prod, univers, innovation, c'est vraiment pour moi le meilleur rappeur français. Donc, j'étais assez déçu de me dire que sa carrière allait se terminer sur Ultra. Après, Booba nous a déjà donné assez de contenu pour que de toute façon, il soit le meilleur rappeur de l'histoire. Donc, si il décide d'arrêter sur un mauvais album, c'est pas grave, je vais réécouter ses anciens albums de toute façon. Mais allez, c'était un petit peu finir sur une fausse note. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des affiches qui apparaissaient dans le métro, qu'on dirait qu'il allait lancer un gros projet et tout, je me suis dit, ah, peut-être que lui aussi, il a réfléchi et s'est dit, vas-y, je peux pas finir sur ça. Il n'a pas encore fait d'interview sur le sujet, on verra s'il en parle. Donc, sans plus tarder, on va parler du coup de cet album Ad Vitam Aeternam. Donc déjà le titre, Ad Vitam Aeternam, ça veut dire pour toujours, pour la vie en tout cas. Est-ce qu'il explique justement que allez, j'ai eu du mal à me dire que j'arrêtais, donc je suis là pour toujours, en tout cas pour la vie. C'est une bonne question. Jay-Z, quand il a pris sa retraite, bon, alors la différence c'est que Jay-Z a pris sa fausse retraite du coup, pareil que Booba, sur un classique qui était The Black Album, qui était, voilà, c'est l'un des meilleurs albums de Jay-Z, si ce n'est le meilleur album de Jay-Z. Il se serait arrêté sur ça, ce serait vraiment perfecto. Il est revenu très vite après, Booba, pareil, est revenu très vite après, mais voilà, Jay-Z avait fini sur un très gros album, et depuis, il explique que les histoires de retraite, je vais arrêter ça, je ne suis pas très très bon pour ça, etc. Quand je voudrais arrêter, vous verrez que j'arrête. Parce qu'en vrai, les artistes ne nous doivent pas d'annoncer qu'ils vont s'arrêter, donc je comprends pas pourquoi ils font ça. Bref, on va se faire un petit son par son. J'espère que je vais pas oublier de son, de toute façon il y en a pas énormément, et je vais vous dire en gros ce que je pense de chaque son, puis globalement de l'album. On commence avec Rebelle, qui est du coup l'introduction. On sait que Booba est très connu pour ses bonnes introductions, certaines mythiques comme Talak par exemple, mais d'autres plus récentes aussi comme Centurion qui est très très bonne. Bof, il a plein de très très bonnes intros. Donc Rebelle, la première personne qu'on entre sur l'album, c'est Bob Marley. Bob Marley, voilà, que Booba a déjà beaucoup cité comme influence, comme artiste préféré, ou en tout cas un artiste qu'il aime beaucoup. Herb is a plant. Why them say you must not use the herb? We just see them just say, no, you must use it because it make you rebel. Bonne intro, l'instructeur met dans l'ambiance, il y a les petites phases qu'on aime bien de Booba, je fais confiance à personne, du coup on ne trahit pas, tu as un emballage sans contenu comme Dua Lipa, moi je connais pas trop le son de Dua Lipa, donc je sais pas, mais en tout cas, petite balle, il y a pas mal de balles perdues sur cet album. Il finit sur la petite phrase, en gros les rappeurs maintenant ils doivent m'appeler Papounet. Il y a des gens qui en parlent pas mal sur les réseaux. Après franchement c'est des go trip et si quelqu'un peut dire ça, c'est lui quoi. Il a été précurseur de plein de trucs, il a un très très bon niveau lyrical, il a une énorme carrière, etc. Il a des enfants, enfin il a signé des Damso, c'est lui, Chai c'est lui, j'en passais des meilleurs, donc voilà. Cette phrase a tout son sens. Bonne intro, on est en dessous de ses intros, de ses autres intros, mais frère, Booba a le problème d'être en comparaison avec lui-même. Et
voilà, c'est trop haut, quoi. Quand tu es en comparaison avec toi-même et que tu as déjà fait des trucs qui sont stratosphériques, de toute façon, on va toujours se dire, c'est moins bon, mais l'intro, elle reste sympa. On continue avec Saga. Je vais dire aussi au Saga la même chose que je vais dire aussi au Signé. J'en peux plus de ce style de musique. Franchement, le rap un peu zumba, un peu pop, un peu chanté, un peu, je sais pas exactement d'où viennent ces inspi, je n'aime pas du tout. C'est pas vraiment, tu sais, la zumba Aya Nakamura, franchement, en mode zouk. C'est la, je sais pas vraiment comment on appelle ça, mais j'aime pas du tout. Donc, c'est pas contre Booba, parce que j'aime pas les autres artistes qui le font non plus. C'est-à-dire, ne faites pas ce genre de musique. Non, je rigole, je peux pas vous interdire de le faire. Visiblement, ça fonctionne, mais je n'aime pas du tout, du tout. J'en peux plus. C'est pas nul en plus, hein. Tu écoutes musicalement, ça va, etc. Mais genre, mon cerveau a fait un blocage. Je ne peux pas écouter ça. Donc, du coup, voilà. Saga est signé. C'est un grand nom pour moi. Visiblement, il sort le clip dans pas longtemps. Là, je tourne la vidéo avant que le clip sorte. Donc, non, j'aime pas du tout. Il y a Dolce Camara avec SDM. Donc très clairement, on va tuer le suspense tout de suite. C'est le meilleur son de l'album. Gros banger, la petite instru qui fait un petit peu maintenant rétro. C'est-à-dire que ça me rappelle un petit peu une certaine partie des années 2010. Mais j'aime beaucoup ce genre de banger-là, quoi. L'instru fait un petit peu triomphe, un petit peu sombre en même temps. Voilà, c'est vraiment le genre d'instru que j'aime. C'est aller directement dans ma playlist banger. Il a toujours les petites phases qui vont bien. France rime avec change, je ne crois en aucun des deux. Les petites phases qui vont bien. J'aime bien quand Booba place ce genre de petites lignes. C'est pas non plus en mode retour à temps mort, des trucs comme ça, mais voilà, des petites phases efficaces, quoi. Visiblement, il va jamais finir avec Demdem, la meuf de Maître Gims, s'il place aussi une boulette pour elle. SDM, ben, il tient bien tête à Booba sur le morceau. C'est rien de oh my god, de transcendant, etc. Mais voilà, il se fait pas totalement bouffer sur le morceau. Il fait un bon couplet, donc c'est bien. Sport Billy, je vais dire la même chose que sur 6G. C'est des morceaux où il kick fort. C'est des morceaux où on sent que voilà, le niveau est là, c'est sombre. Il y a des bonnes phases. Il y a une tentative de petit flow différent de ce qui se fait actuellement. Mais j'ai l'impression que ce sont des morceaux qui ne sont pas finis. On dirait de très bonnes maquettes, mais il manque quelque chose à ces maquettes. C'est mon impression en tout cas. Mais voilà, ça reste des bons morceaux, mais ce n'est pas des morceaux que moi je vais réécouter, saigner. Ces gens, tu écoutes, te dis, ah, bonne performance, mais j'ai pas envie de retourner dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sur Sport Billy, il a une phase où il dit, tu me parles pas d'âge, qu'il reprend de Kylian Mbappé. Et sur un morceau après, il clash Kylian Mbappé. Bon, après, je suppose que chronologiquement, ça ne s'est pas enregistré au même moment. Mais en tout cas, bon, c'est intéressant de souligner. Donc, Sport Billy et CG, des bons morceaux de rap, mais que moi, je ne vais pas forcément réécouter. On continue avec GM. Donc, du coup, le fameux feat avec Evil P et Gato d'Abato. Franchement, c'est big. C'est-à-dire que, étant de la même génération qu'Evil P, je sais ce que ça représente d'avoir un feat avec Booba après depuis le temps où on l'a écouté. On influencé, bien sûr, il a influencé nos punchlines, nos façons d'écrire, de toute ma génération de rappeurs, que ce soit aux Antilles, que ce soit en France. Donc, de pouvoir dire que 20 ans après, presque, tu as un feat avec Booba, je sais ce que ça représente pour lui, donc et pour la Martinique en général. Donc, tu vois, c'est super cool. Parce que voilà, Kalash, il a collaboré avec Booba, mais Kalash, il dépasse largement le rap. C'est pas juste un rappeur. La Evil P, c'est vraiment un rappeur, pas diffusé sur les médias ici. Très peu de presta aux Antilles, du rap très sombre. Donc voilà, être validé par le Don Dada du game, c'est vraiment big. Pour parler du couplet des Evil P même, il n'est pas passé en mode Super Saiyan. Il n'est pas sur le niveau de ce qu'il a fait sur 10 ou sur des morceaux comme ça. Mais au niveau des attentes, il a fait, voilà, c'est au niveau des Vilpi. Il s'est pas foiré sur le couplet. Booba aussi l'a respecté. Il a fait un bon couplet. Gato d'Abato, il y a beaucoup de gens qui critiquent ses couplets en général. Je sais que moi aussi j'ai fait des petites blagues sur Gato, mais franchement, moi, que ce soit sur Mauvais Langue, que ce soit sur Bouillon, que ce soit là, que ce soit sur Nous l'Agent, moi j'aime bien ce couplet de Gato, les l'a pris en anglais. Donc on a un couplet en créole, un couplet en français, un couplet en anglais. Le morceau, franchement, j'aime pas le refrain. Les refrains, moi, ça me saoule un peu. Je trouve que ça fait un peu cliché, malheureusement. Mais voilà, le morceau est là, tranquille. Il se laisse écouter. C'est pas forcément transcendant, mais voilà, c'est pas mal. On arrive sur Abidal. J'étais parti pour ne pas aimer à cause du featuring.
Sicario, c'est pas quelqu'un que je connais. J'ai l'impression que quand je suis tombé dessus, j'ai pas trop aimé. Donc j'étais parti pour ne pas aimer de base. Mais voilà, en fait, Booba fait une bonne performance. J'aime bien le refrain. Il y a toujours les petites phases. Donc justement, la phase sur Kylian Mbappé, t'es sur côté comme Kylian. Je comprends pas comment Kylian Mbappé peut être sur côté. Je suis un footix, mais frère, le gars a une Coupe du Monde. Le gars gagne combien de titres? Le gars meilleur buteur de son club. Enfin, il a trop de trucs pour moi pour être sur côté. Mais bon, bref, c'est pas une vidéo sur le football. Mais bon son, bon refrain, et Sicario aussi fait le travail. En tout cas, Sicario ne gâche pas le son, et c'est tout ce que je lui demandais, donc bon morceau. Morceau qui finira aussi dans ma playlist, je pense. Ensuite, on arrive avec sur Benini avec Husky. Husky que j'aime pas du tout. Pour le coup, franchement, à chaque fois que j'écoute, je vois pas du tout l'intérêt de cet artiste. Mais le morceau se laisse écouter. Le morceau est efficace. Peut-être que moi, je vais pas le réécouter. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la partie de Booba. C'est-à-dire que si ça pouvait être juste un son de Booba, ce sera allé direct dans la playlist. Mais Husky, ça me dérange un peu. Mais le morceau est bon. Et on finit avec la outro. Carrément, j'ai oublié comment la outro. Ah si, ça va bien se passer. C'est VBP, je crois. C'est très mauvais. Booba sait que c'est très mauvais sur un type Jul Beat. C'est pas le fait que ce soit un type Jul Beat. Au-delà d'être un type Jul Beat, c'est très mauvais. Parce que par exemple, Bande Organisée, c'est un type Jul Beat. Et c'est bien. Mais là, c'est très mauvais. Booba lui-même sait que c'est très mauvais. Donc je pense qu'il nous troll. Et comme je disais sur Twitter, il va jamais finir sa carrière d'album sur un type Jul Beat. Donc on peut déjà se dire qu'il y aura d'autres albums de toute façon. Mais l'intro est très, très, très mauvaise. Du coup, l'album en général. Bon album. Le problème de Booba, c'est que je vais toujours me dire, ouais, mais c'est pas le grand Booba. C'est le problème que plein de grands rappeurs ont. C'est le problème que Drake a. Mais moi, je suis fan de Drake comme je suis fan de Booba. Donc, vous pouvez même me dire que je suis fan de. C'est parce que je suis fan de Drake que je dis ça. Les albums de Drake, même si on les compare à ses sons du passé, par exemple, For All The Dogs, les gars, je le saigne de ouf en tant que fan de Drake. Jay-Z 444, je saigne. Et voilà, je suis aussi fan de Booba que je suis fan de ces gars-là. Mais c'est dur. C'est dur de. J'arrive pas à Ultra, je ne l'ai pas réécouté. Celui-là, je sais que je vais réécouter 2-3 morceaux, mais ça ne va pas être le truc que. Bon. Après, moi, je le vois plus comme une mixtape. En tant que mixtape, c'est pas mal. Tu rajoutes quelques petits sons à ta playlist selon tes préférences. Donc voilà, c'est sympa. Je ressens moins la déception pour cet album-là que pour Ultra. Sûrement parce qu'on l'a attendu moins longtemps, qu'il a fait moins de promos dessus et qu'il voilà, il l'a juste balancé en mode blip. Et ce serait sympa qu'il continue à faire ça. Peut-être chaque année, tous les 9 mois, un petit projet, 8 titres, un truc comme ça. Ça peut être la nouvelle façon de consommer la musique. Donc voilà, pas déçu. Il y a des bons morceaux, pas transcendants, mais voilà, ça a le mérite d'exister et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit projet de Booba avec de bons sons dessus. Dites-moi, je vais donner une note, je donne, allez, à l'échelle de Booba, on va dire 6,5, 7 sur 10, donc au-dessus de la moyenne, mais loin de ses grands moments. On va dire à l'échelle du rap français, on lui donne un 7 facilement. Voilà, c'est mon avis sur le projet du coup Ad Vitam Aeternam de Booba. Il est sorti il y a quelques heures au moment où je vous parle, donc c'est un avis à chaud. Peut-être que l'avis va changer. Je pense pas. Je pense que ce ne sont pas des sons où je vais changer d'avis au fur et à mesure. Je crois que j'ai oublié aucun son. J'espère que non. Sinon, on en parle dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, l'album, le retour de Booba, etc., etc., un peu ce que j'ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Comme jamais, c'est The Spectre pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde. Allez, retour, gagne! Fucking Baby, Spectre, c'est ça.